Je te dis, moi je suis déjà dépassée. Je suis déjà dépassée, je ne sais plus quoi faire. Oui, non. Toujours le même problème de conception là, toujours le même problème d'enfant. Maman, quel tradit praticien ne me connaît pas ici? Toujours parce que je cherche l'enfant, j'ai déjà bu toutes les qualités de potions, maman, toutes, même si c'est le poison, j'ai déjà bu, Marco, j'ai bu. C'est l'amour de Dieu qui me sauve comme ça là. Ouais, maman, j'ai déjà fait 10 ans. 10 ans. Regarde-moi. On m'a encore indiqué l'hôpital général, c'est ça que je cherche comme ça là. Je vais te rappeler, attends, je vais te rappeler, s'il te plaît, je vais te rappeler. Bonsoir madame. Bonsoir maman. S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer l'hôpital général? L'hôpital général? Oui maman. Oui, oui ma fille. Tu vas monter comme ça. Virer à gauche. Hein? Oui. Tu vas encore prendre l'embranchement là. Tu contournes. Il y a une petite maison en carreau. Hein? Tu vas encore revirer. Et tu vas aller sortir au carrefour où il y a les Benskineurs. Mmh. Ok ma, merci. D'accord ma chérie. Okay. D'accord. Okay, ma. Tu l'as payé ton visa pour partir. L'eau là, tu l'as pas encore payé. Lumière, tu l'as pas encore payé. Pire encore, le loyer. Tu sais le bruit que le père a fait dans les oreilles l'autre jour. Il a dit qu'il est venu chercher son argent. Est-ce que moi j'ai l'argent et puis je ne paye pas? Ah bon? Tu ne travailles pas, j'ai pas l'argent. Ce n'est même pas mon problème. Fais comme tu veux. Marco, viens. Il y a un problème. Non, maman, viens. Ne te fâche pas. Il n'y a pas de problème. Je t'ai entendu dire au téléphone que tu as un problème de conception. C'est vrai. C'est personnel, maman. Tu dis que c'est personnel. Pourtant, tu as la solution devant toi. Hein? Ma grande soeur a eu le même problème que toi. Elle a fait plus de 15 ans. Sans même porter un petit fœtus dans son ventre. Mais grâce à mon mari, qui est un grand naturopathe, a fait d'elle aujourd'hui une femme heureuse. Elle a plus de 7 enfants. Tu me comprends? J'ai ma tante qui a passé tout son temps à avorter. Elle a plus de 60 ans. Elle a sa 3e grossesse aujourd'hui. Hein? C'est la vérité. Hein? Et mon mari, c'est un grand naturopathe. Pas les choses que les gens racontent partout. Maman, je ne mens pas. Hein? Je me témoigne. On parle même de lui, on chante même son nom à la télé. Wemba le déjanté, Wemba le déjanté. Qui ne le connaît pas ici au Cameroun? Partout dans le monde entier. Sans même oublier ma propre grand-mère. Celle même qui a mis ma mère au monde. Elle est enceinte de 3 mois. Hein? Reste là, tu dois. Maman, une belle fille comme toi, comme ça. Tu pars où comme ça? Si ton mari te quitte, à cause que tu n'as pas d'enfant, tu as fait comment? Hein, maman? Pardon, trop parler d'abord donne soif. Tu me comprends? Attrape la main de ton mari. Tiens, voilà sa carte. Tu as la solution à ta portée. Et c'est à toi de décider. J'ai vu la mère. Elle a eu les problèmes sur moi. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on cherche l'enfant. Même un soupçon de retard. J'ai déjà tout bu. Quel tradit praticien ne me connaît pas? Même le poison, j'ai bu. C'est l'amour de Dieu. Tu as allé chez les tradit praticiens, les docteurs, les marabouts. Mais pas chez le docteur Weba. Tu n'as pas parlé de mes prouesses? Je t'ai tout expliqué, non, maman. Tu n'as pas expliqué à ton mari. Qui a fait que ta grand-mère a eu un enfant? Ce n'est pas toi, mon père. Hein, qui a fait que ta cousine Martine a eu un enfant? Elle a plus de 60 ans. La voisine qui a fait 10 ans, qui a fait? Ce n'est pas toi, mon père. Wow. Papa, tu es où depuis? Je suis là maintenant. Sauve-nous, pardon. Vous? Sauve-nous. Papa. Ouais. Papa. Fais quelque chose pour... Je te dis que c'est ma soeur. Je suis là pour aider les gens. Aide papa. Je vais aider les gens. Mais tu sais, il n'y a rien sur terre qui est gratuit. Combien ça va coûter? Combien ça? Combien ça va nous coûter? Soleil,
On pense pas combien là? Seulement les 2 millions. Voilà. Seulement 2 millions? Mais je m'attendais, n'est-ce pas, à une histoire de 5 millions? Non, attends. C'est normalement c'est 5 millions. Mm-hmm. Mais les 2 millions, c'est l'avance. Oui. Mais quand la femme entre là, tu finis 3 millions. Mm-hmm. C'est pas comme ça? C'est ça. Lui qui est venu, la France, elle a payé combien? Il a payé plus de 6 millions même. Voilà. Oui. Mais comme tu la connais bien, non? Oui. On fait à 5 millions. D'accord. Mm-hmm. L'enfant n'a pas de prix. Mon papa. Vous comprenez? Nous avons déjà autant et assez dépensé. Chérie. Donne-leur 2 millions. C'est lourd, hein? Mais tu as dit bien combien les gens? Tu as dit bien combien? On va gérer après, papa. On va gérer. Mec, 2 millions. Mm-hmm. Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un est malade, il faut l'aider. Mm-hmm. Et moi, j'aide. Oui. Tu veux les jumeaux, mais tu veux les tripler. Papa, donne-moi, je prends. Triplé. Mm-hmm. Combien? Triplé. Deux. Triplé. Non, pas deux. Trois. Non, on les donne cinq. Prends, maman. Je prends tout. Prenez. Je arrache. Ça monte. Ça monte. C'est arrivé. Australie. Pouf. Amérique. Pouf. Europe. C'est là. C'est elle. Non, lui, il donne, chérie. Bien. T'as pas les nouvelles des Kamgas là? La famille Kamgas Kenya. Les Kamgas Kenya. On veut les tripler. Ils vivent les problèmes là. Ils vivent 5 enfants. Quelqu'un là, il a les problèmes de loyer pour payer sa maison. Il vient donner 2 millions à quelqu'un. Ils sont où maintenant? Oh, peut-être ils sont même morts. Toi, tu as donné l'eau du WC, non? J'ai plusieurs lots même que dans le WC pour les donner. Hein? Ouais. J'ai dit que c'est l'eau qui vient de Zingita. Ils ont cru, hein? Mais tu es fort. Ils ont cru. C'est sûr que ça a puché les deux, ils ont les diarrhées, que ça allait partir. Bébé. Dis-moi. Si on reste ici un jour, ils vont nous attraper où? Attraper quoi? Donc tu restes moi, tu n'as pas peur. Peur de quoi? Moi, je suis un lion. Tu es venu quoi? Le naturo pour flat. Hein? Et tu penses que tu vas nous attraper? Ils vont par où d'abord? Hein? Bébé. Naturo te frappe. Oui. Ouais, mais elle est déjà déjantée. Voilà son travail. T'as 5.
Effectivement, Walter. Mon épouse est bel et bien tombée enceinte. Nous sommes venus également vous donner les 3 millions. C'est bien. 3 millions. Il t'avait dit quoi? 3 millions, non 3 millions. Que dès qu'elle a parlé de 3 millions. Et oui. Tu avais regardé dans ses yeux. Et ils sont venus. Et dès qu'il était sérieux. Envoyez. C'est ça ici. Maman. Mais ça, c'est bien. Je venais vous remettre les 3 millions. Mmh. Une fois devant la porte, nous avons écouté toute votre conversation. Nous avons risqué notre vie à cause de vous. Ça veut dire que c'est l'eau du WC qui a rendu ma femme enceinte. Et non un remède du docteur. Il avait dit qu'il donne 2 millions et qu'elle est enceinte, donne 3 millions. 3 millions. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Un contrat, c'est un contrat. Et 3 millions. 3 millions de quoi? Mais 2 millions. Mon nom. Et puis, mon problème, c'est quoi dedans? Ah, tu ne sais pas, hein? Lundi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mardi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mercredi, c'était dedans. 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 Tu étais dedans. Dedans. Tous les jours pendant l'année. Dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans.